l'arrestation des cybercriminels et la censure des chansons de Santenos Raphaël par une association, Agassin aussi ne fait plus partie des sélectionneurs de l'équipe nationale du Togo. Mesdames et messieurs, je suis Maximilien, la go caméléon, le miel pur de la savane. Gezo, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Agassin aussi? Bon, moi c'est Pasteur Gezo le 6 atlantique. Donc Agassi Kossa n'est plus... Oh, pardon, pourquoi c'est toujours vous qui avez des origines de... non, à la fond? Bon, mon frère, c'est qu'il y a toujours les lettres dedans. Ah. Bon, Agassi Kossa n'est plus le sélectionneur des gardiens du Togo. Et oui, et il paraît qu'il sera remplacé par un certain Felipe Mourira. C'est un blanc. Felipe, oui. Felipe Mourira. Mourira. C'est quelqu'un qui mourira qu'on va prendre. Moi aussi, je ne comprends rien. Si la personne décède 2 jours après, je ne veux pas de complice. C'est moi qui ai donné son nom. Oh, oh. On dit que tu n'as pas. C'est pas son nom de famille. Bon, il faut Mourira, bien. C'est ça. Ouais. Okay. Donc. Felipe Mourira. Oui, donc ça veut dire que désormais, on aura une équipe 100% portugaise. Ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que Agassa Kossa devait demander à ce qu'on revoie son contrat. Ah oui, c'est normal. Et en pleine discussion, le staff de la fédération a décidé de rompre carrément le contrat et de renvoyer le sélectionneur dans sa maison. Un peu comme on a fait pour Abalo Doucet. Oui, oui, pareil, même chose, même scénario. Donc, ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, Agassa Kossa est dans sa maison. Il n'est plus sélectionneur. Pourquoi? Ah, toi aussi, il faut demander. Hein? Bon, mais pourquoi est-ce que... chaque fois, il faut remplacer les nôtres par des blancs qui prennent souvent trop. Par exemple, quand on prend Abalo Doucet, quand on l'a laissé, on l'a laissé pour un vieux mourant de... Le vieux là, il est venu ramasser 25 ou 24 millions, je ne sais pas, non, pendant 2 ans. Et, ou bien c'est pendant combien d'années? Bon, c'est normal parce que tu sais... Et on n'a rien eu. Oui, on en a tellement qu'on veut donner aux gens. Et actuellement, il est consultant Canal Plus. Oui, il a notre argent, donc il va être consultant pour pouvoir bouffer notre argent. Jusqu'à quand? Ah oui, on est dedans. Et seul, Nibombé Daré a... Ah, le gars, il s'est énervé. Il n'a pas aimé ça. Ah, il est énervé grave. Il s'est remonté. Et il a raison. Et il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Normalement, on a beaucoup d'internationaux togolais qui peuvent réagir par rapport à cette histoire. Voilà. Des il faut fois, que ça se lever. Voilà, quand ça ne va pas, il faut le dire. Voilà. Un chapeau à Nibombé Daré. Voilà. Oh, c'est quoi ces manières? Bon, les gens sont là, ils disent qu'ils influencent, mais on ne vous connaît même pas quand il y a des trucs qui ne marchent. Influent combien? De toutes les façons, nous, on n'est pas d'accord. H Direct n'est pas d'accord de ce remplacement. Non. Donc, on est parti voir la population togolaise pour qu'ils nous disent ce qu'eux, ils en pensent. Les images. Image. Donc, Agassa Kenny. Et gardien me sélectionner l'équipe nationale à Hyperview à Osoyevo Sodolia. Mate Domia Dure, Bola Mate Incore. Et Bajokia, le Duamekia, Fofo, il m'a blou, il m'a gouvernement, le nom Pong Wobo. Togo Vignan, tu vas se mettre quoi. Nke Wantoloa, et n'y a pas de sénat. Alobeo, yo vous bois, et n'y a pas de blanc, le récup. Tordio Sonan, Sovelina, yo vous. Pas évoqué, je ne donne pas de couleur à mes joueurs. Qu'est-ce que ça concerne Togo Vieux? Je vois Fikao Cho. Bon, à Gassa, il y a le co, il y a des doigts, il y a des togolais, bon, on les pompe quand il y a des doigts. Ok, je vois là, à Gassa, Mateo. Le gouvernement a mis trop de poignons, il y a un bon. Les défiants, bobé, miantor, mais vieux mignon. Le que 2006, Miko Boulevard a dit, Miko, soit aéroport, ka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 k
les sons de Santinos Raphaël dans les ondes. Parce que quoi, un fan aurait fait une publication qui les déplaise. Mais est-ce que ça là, bon, il paraît que c'est Jean-Jacques Snoubi qui est ouais, le directeur, le président le... de l'association, c'est ATRT. ATRT, voilà. Association Togolais des Techniciens, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Bon, Pasteur Guézo, oui. Est-ce que ça là, c'est fondé? Avant que tu ne parles, il y a Mansa Group qui a fait sortir un communiqué hier, oui. Et qui, c'est un démenti total. Mm-hmm. Parce qu'eux, ils disent n'avoir rien compris de ce que dit le communiqué. Donc, que si la TRT continue, ils vont le traduire en justice. Voilà. Donc, ils ont le droit bien. De traduire en justice. Très bien. Cette association de... Bon. Voilà. Et puis, plus loin, ouais. Il y a tonton Franck Minani qui... A... Hein. Et Franck Missité. Oui. No. Après, c'est pour dire que c'est moi. Bon. Appelle bien les noms. C'est un lactus. Eh, vas-y, appelle bien ça maintenant. Je vais lire l'article, c'est mieux. Tu n'es pas garçon. Sur les réseaux sociaux, les voix, les réactions se multiplient. Parmi ces internautes qui plaident en faveur du jeune artiste togolais figure Franck Missité, directeur du cabinet au ministère de la Communication. Voilà. Directeur par intérim du bureau togolais. Non, ça c'est faux. Hein. Il est encore directeur par intérim. Non. Il y a combien de directeurs? Non. Franck Missité n'est plus le directeur par intérim du Butodra. Voilà. Le Butodra a un directeur. Voilà. Par intérim. Par intérim. Voilà. Oui. Donc, voilà, qui s'appelle voilà. Monsieur Edito Mele. Komla Maouse. Ok. Voilà. Monsieur Komla M. Edito Mele. C'est comme ça lui-même. Il. Voilà, monsieur Komla, un point et dit. Mon frère, qui est un laisse président qui, lui, n'est pas par intérim, mais c'est le vrai président du voilà, comme c'est vrai. Donc, monsieur Franck Missité traite les membres de la TRT des talibans. Allah, Akbar. Je ne veux pas. Toi, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Donc, quand on dit ça en même temps, la bombe vient. Ah, mon frère. C'est égal, hein. Est-ce que l'émission le finit? Il dit, je cite, ne laissons pas ces talibans qui infestent les milieux culturels togolais faire la peau à Santinos Raphaël comme ils l'ont fait à Omar Bi. Courage à toi, mon frère, a posté Franck Missité sur sa page. Voilà. Voilà. Donc, que ce soit les internautes, les fans de Santinos, les tontons Missité, donc beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. D'accord. Ils ne sont pas d'accord. Nous, on s'est promené, voilà. On a pris la vie des gens. Voilà. Et regardez vous-même. Les femmes de la maladie d'amour. Les images. Image. On kemi ano biara ti o ko la bo ma po be hale radio tele ko to o. E won igbale na mi abi mi abi ju agbale ngbodo meke. La mara nye ko se ku nye ko da jan bi nye mi nya kwa. E le kire ti o mi na le ga we o. Santino zero ko to. E na na ja bo ti o jo feel ne gaga. Nja ne ba le ku do yan o shoko yo jo feel na nja go. Des Togo filles artistes togolais mais hané nomi pono it radio quoi toi artiste né nomi ano pona jafio quoi toi mais pour mien toi mien du mauvais rêve mais bien ré si vraiment ils ont fait cela, c'est à dire ils ont décidé de ne plus jouer ces sons, bah ça veut dire que les Ivoiriens l'adorent plus que nous. Notre tia on a deux effets de quoi toi. Voilà, vous-même vous voyez les fans de Santinos ne sont pas d'accord. Non, jamais. Ils sont pas d'accord, jamais. Et puis ce qui m'a plu, le gars a dit que même si on ne joue pas les sons de Santinos, eux ils s'en foutent. Il y a YouTube, il y a tout, eux ils vont jouer. Santinos Raphaël, ça descend. Tu sais ce qui m'a plus chier, le gars dit, lui, quand les petites filles viennent, c'est avec ça qu'il les séduit. Même sa copine est contente quand lui chante ça. C'est fini. Donc, le grand frère Noël Tadeno a posé une bonne question. Est-ce qu'on peut se vanter le fait de dire qu'on ne va plus jouer un son d'artiste sur média, bon, radio, bon, attends, au 21e siècle, en 2021. Non, mon frère, toi tu vas trop loin. Le gars, combien de sons togolais il joue même d'alors? Ouais. Il ne joue pas. Maintenant, c'est quoi le problème? Bon, de toute façon, ne jouez pas, vous allez voir. Ne jouez pas les sons de Santinos, vous allez voir. Vous allez voir. Bon, tu veux frapper qui? Oui, on va les frapper. Nous, on va les frapper. Ne jouez pas, vous allez voir. Non. Si ce nom me gars là, ça vous a fatigué. Ah bon.
On va jouer à la radio. D'emblée, des choses of Satitos, you will see. Bon, ouais. C'est une menace ou bien c'est quoi? Donc, il faut comprendre la partie. Bon, d'après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on veut qu'Agassa Kossi revienne sur le terrain. Voilà. Il n'est pas venu entraîner les gardiens. Yeah. Sandrinos Raphaël, même si les médias refusent de jouer tes chansons, nous on va taper sur Internet. Attends, il joue combien de chansons, man? Vous êtes là, c'est les autres Nigériens, vous jouez. C'est les Ivoiriens, vous jouez. C'est les Diamond Platus, quoi. Bah, tous. Que vous jouez. Vous jouez. Maintenant, vous êtes là à dire que vous n'allez plus jouer le son de quelqu'un. Les salles que j'ai cité là, ils vous payent. Élevé. Pour qui vous prenez vous-même. Bon. On va clôturer. Oui. J'ai compris. Bon, ma fille, faut te coucher, je vais faire essai. Comment je vais frapper les gens? Je vais faire essayer comment je vais frapper les parce gens. Que qui ne veut pas conclure? Les gens qui veulent frapper là, pardon, il faut aller les frapper. Si tu ne veux pas. Non, ne me frappe pas. Si tu ne veux pas tout. Et puis on ne me chasse plus. Il faut la prendre, on va. On y va. Terminé, coupé.